Je suis un grand amateur de champagne. J'ai la chance de bien connaître la maison de Laurent Perrier. Cette cuvée Laurent Perrier est quelque chose de nouveau. Et lorsque je l'ai goûté, j'avais envie de proposer un plat autour du poisson. Un produit, on va dire, assez noble, qui est la lotte, qui a bien été rôti avec un beurre noisette, du thym, du romarin. Ça représente, on va dire, à la fois la tradition et la modernité. Et à côté, rajouter plein de subtilités. Que ce soit des raisins qui rappellent le champagne, des girolles qui vont apporter ce côté un peu terre, voire forêt. Et j'ai rajouté au-dessus des fleurs parce que pour moi, ce champagne, il est tout en délicatesse et en finesse. Et ça me rappelle les fleurs de sureau que j'ai mis dans l'assiette. La fleur de bourrache, ce côté un peu, on va dire, coloré, un peu iodé. On est sur la cuvée Laurent Perrier, un visuel très dense avec une bulle qui va s'avérer extrêmement fine, une robe assez claire, des arômes très intenses, beaucoup de fraîcheur, un côté un petit peu minéral et onctueux avec ce chardonnay qui va vraiment prendre le dessus sur le reste des différents cépages et qui fait vraiment la caractéristique des vins de chez Laurent Perrier.